serait bien qu'on puisse chasser un peu plus avec lui que avec Charles. Allez. Allez, on va s'amuser. Stay back from the wagon, sir. Am I glad you showed up when you did? I don't have no money to give you. Damn. I do have some information that might interest a man like yourself. The shopkeep in Strawberry has a moonshine business. Somewhere turning a world of profit. Braquage de magasin, renseignement sur un cambriolage. Ok, cool. On a eu quand même l'indice. À chaque fois, j'ai oublié de... Je faisais L2, en fait, pour le viser et pour le questionner, enfin, si on pouvait lui parler. Et j'avais toujours l'arme sortie, en fait. Merde. Il y a une maison au nord. Après une rumeur, il y aurait des objets de valeur à l'intérieur. Il y a une cave qui, seule au nord de Strawberry, possède des objets de valeur... Géant de magasin Strawberry possède des commerçants secrets d'alcool, contrebande, rendez-vous au magasin pour enquêter. Ok, ça marche. On a plein de petits trucs à faire. La map aussi grande que le premier Red Dead. Je me rappelle plus du tout la taille de la map du premier. Donc je serais pas comparé. Mais je pense, oui. Double à canon. Ouais, on est bien comme ça. Les balles. Du coup, est-ce qu'à chaque fois on prend les carabines qu'on récupère? Genre là, je viens d'en récupérer encore une. J'ai pas l'impression en fait. Carabine usée. Non, c'est toujours la même. 1 sur 5. Genre il peut. 3 sur 6. Carabine à répétition usée. Non, j'en ai qu'une seule à chaque fois. Donc ça sert à rien. Ouais, okay, ça marche. Yep. Ça sert à rien de récupérer les armes qu'on a déjà, à moins que ça soit genre le deuxième pistolet. Mais on est limité quoi. Au camp. Je sais toujours pas comment rajouter un manteau sur le cheval, faut qu'on prenne le temps de regarder. Parce que je sais qu'on peut avoir plusieurs différents vêtements emmagasinés sur le cheval. It's Arthur! You can tell me later.
short a little meat for the pie. Stop it! This ain't funny. Hello. Oh, I disagree. Qu'est-ce qui se passe? Why are you so afraid of a pair of Gelden tongs? I thought you were the horse you expert. Ain't that. Oh, all right, go on. It ain't like you got balls anyways. Oh, hell's half acre. Oh, hearing him. Oh, my balls. Like that. Il s'amuse. Mauvais état. Let's see what we can get for it. All my world traveling. Sure. Might as well make some money off it. Had a fair maiden so lovely. Just make sure it goes into the pot, not your pot. To her, I did say, hey, you want to let me ride your ring dang do? Là, on n'a rien à prendre, on est tout full. Après, je sais qu'on peut renvoyer les caravanes, récupérer des choses, si je ne me trompe pas. Ah, il faut payer, bien sûr, mais... On peut remplir le... la réserve, en fait. S'asseoir, examiner. Changer de vêtements. La pagne. Comment dire. Tenue personnalisée. Là, il y a une selle. Ouais, chaud, beaucoup trop pour les fortes chairs associées avec d'autres vêtements chauds pour vous protéger du froid. Sauvegarder la tenue, maître. Voir. Y'a pas. Long day. I'm gonna get some rest. Essayez toutes les sacoches que vous possédez sont actives, quelle que soit la sacoche. Talisman. Hey Karen. Hey there. Non, je sais pas comment. Sacoche, provision, matière nécessaire, objet de valeur, document. C'est son carnet. Afficher les économies de la bande. Là, on a mis un manteau plus chaud, mais comment je peux l'enlever? Il y a celle du 1 plus une autre map. Ils ont mis le mode fashion victime comme dans GTA 4. Inventaire du cheval. Défense sanguine légendaire. On a des provisions. Non, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je peux enlever mon manteau? J'en sais rien du tout.
Alors faut passer par là peut-être? Non, ça c'est pour nous dire les stats. Tu vas sauvegarder tant qu'on y est. On peut pas sauvegarder, c'est cool. Non, là je vois pas. Je dois dire que je vois pas. Peut-être la roue, cheval. Alain pour retirer, vêtements. Ah, tenue. Tenue personnalisée 1, tenue personnalisée 2. Ah! Peut-être ça en fait. Et hop, tenue personnalisée 2. D'accord, ok. En fait, c'est seulement. C'est plus simple que ce que je pensais. Moi, je me compliquais un peu la vie. En fait, non. Il faut juste personnaliser. Faut sauvegarder les tenues. En fait, faut simplement sauvegarder les tenues au camp. Et après, on peut les changer directement sur le cheval en sélectionnant tenue personnalisée. Bon, j'aurais bien voulu que genre, on sorte le manteau et tout ça, mais bon. C'est pas grave. Genre ça, c'est la normale. Celle avec le manteau. On va changer quelques trucs. Les gants. On va mettre ça. Oups. Comme dans GTA. Ouais, de toute façon, il n'y a que vraiment le manteau. Il y a le symbole du froid, là. Le flocon. Okay. Au-dessus de ma tête. Et je crois qu'il n'y a vraiment que ça qui influe sur le froid. En laine. Manteau d'hiver ou en laine? Enfin, c'est pareil. Je préfère celui-là, il est plus joli. Ouais, je préfère en laine. On va faire ça. Ah, non! Je vais sauvegarder. Tenue. Sauvegarder la tenue. Voilà. On va virer celle-là. On va faire ça. Supprimer la tenue. Voilà. Donc on a celle-là et celle-là. Ne disposez d'aucune tenue adaptée au froid sur votre cheval. What? Ah putain, la table. Ah, ça l'a pas transféré sur le cheval. C'est embêtant. Ah, tenue. Tenue personnalisée, tenue sur le cheval. Mais comment je le... Attends, tac. Comment je la transfère sur le cheval? Ranger sur le cheval, d'accord. Ok, la selle signifie que c'est rangé sur le cheval, en fait. Et après, quand c'est coché, ça veut dire qu'on la porte, d'accord. Changer les gants. Voilà. Voilà, retire du cheval. Non, c'est bon, on a les deux. Ça pour ça, c'est quand même un peu un peu pas compliqué, mais on va dire que c'est ça aurait pu être beaucoup plus simple. Ça aurait pu être beaucoup plus simple, genre mettre un manteau et sur le cheval et bah ça.
Genre ranger un manteau comme on range une arme en fait. Voilà. Tout simplement, au lieu de faire tout ce cinéma là de... Après je sais que les chapeaux on peut faire pareil je crois, on peut avoir différents chapeaux. You done good, girl. Alors. Ah, on a une quête principale de Marston. Oh. Ouais, on y va, on va lui parler alors. Que veux-tu, John? C'est un peu embêtant d'avoir John Marston en fait dans le jeu, parce que au final tu lui fais pas confiance, vu que tu sais ce qu'il va faire après. You busy, Arthur? Hey, Arthur! Ooh, il y a des éclairs. What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of state border. Yes. You need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. On va attaquer un train. C'est parti. Nous allons attaquer un train. Waouh, c'est loin. Lucas vous a demandé de rejoindre son compagnon. Campement hein, près de Scorb, oui. Son campement. Qu'est-ce que je raconte? C'est quoi ça par contre? C'est nouveau sur la carte. Bonjour. Javier, cambrioler une maison. Sérieux? Hey Javier. I heard about a house. It could be interesting. What kind of a house? I don't know. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. A family local boogeyman, I guess. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. They're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course. Yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Okay. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. Spooky house. Salut Saphir, ça va? Passez un bon week-end. On the other side of the river from Valentine. Best way there is through Cumberland Falls, though. You know it? Sure, or less. Ah, on va d'abord faire la maison alors. Let's go, bro. Je me demande à quoi ça sert exactement ça. Faire peur aux animaux peut-être? Faire peur aux gens? Genre de cabrer comme ça? C'était quoi ce bruit? Pretty close now.
Let's stop and go on foot from here. Just up the hill this way. Follow me. Ok, attends. Double canon. Ou alors on prend que le fusil à pompe. Ouais, fusil à pompe. There's a spot up ahead where we should be able to get a good look at the place. I want to make sure we don't run into any surprises. Sure. Apparently, this family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf. Well, you just keep selling me on this job, don't you? Oh, big place, right? Well, there's a pretty big barn in the back. It's not a bad place to start looking. There must be a lot of people living here. A large house. There could be in any one of them buildings, and who knows how many people are in there. I ain't sure about this. Well, I think we need to draw them out somehow. And I got an idea. Follow me. Ça va être une idée à la con. Par contre, on va faire ça. Hey, hey, stay with me, Arthur. Yeah, je suis là. Okay, stick close now. All these trees, I can't get a proper look at the place. Well, hopefully it'll make it harder for them to spot us, too. Coast seems clear so far. Yeah, so far. Oh, tu es qu'un seul de bison quand même. Hey, keep it down. I hear voices. Bon, on lui a éclaté la tête. Mais... un seul. Arthur, tu veux pas un peu avancer plus vite? Non, apparemment non. Come on, let's hide behind the shed. See if we can hear what they're saying. Pappy, I was gone but 10 minutes. I was. You can lollygag on and out day long, cause Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie, get all the jam. You shut your gulper, or I'll flag her your felt, I will. You need to pull it up, boy. Up. Go guard the shed. Go! You understand what they're saying? Not much of it. What are we doing, Javier? Okay, you take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Il a foutu le feu. Oh, swankin' heck! What the hickory happened here? We got to put this out, don't you? Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aquí, locos? Now, Arthur! Let's take them out quick! The rest will be on their way! Quoi?
un peu une idée à la con, non? Je vois pas pourquoi je dois me mettre là, moi. C'est quoi ce truc? Cherche. Moi je fouille. Sors ton arme. Non, sors ça. Ce que je pensais aussi. Tiens, on lui a arraché le bras. Salut Gil, ça va? Fouille. Has to be under here. There's no place else I could store it. Hey Arthur, give me a hand here. Attends, il y a un coffre devant moi. You want the money or not? Come on. Qu'est-ce que je suis en train de récupérer là? Attends. Worth the trouble, didn't I? Yeah, you take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Sounds good. Yeah. Ça, c'est bien passé. J'ai refait mon histoire à cause de ces primes qui pop pour rien. T'as vraiment refait le jeu, Gull? Enfin, refait le jeu. T'as recommencé? You'll be all right. Alors, fouiller. Que de la merde. D'abord les apaiser et après on peut les fouiller. Tout va bien. On n'a rien vu. Pas bien. Il a failli me tuer par contre quand même, hein. Je veux pas dire mais. Bon, merde, il fait chier celui-là. J'ai du mal avec les chevaux, y'a que le mien. Et encore, le mien il se prend des arbres en fait de temps en temps. Souvent même. Rechercher dans 3 villes à hauteur de 100$ alors que je suis en mode posé sans ennemi violente. Ah oui, ça va être un peu dur comme ça.
Tu fais quoi, un run pacifiste? Je peux prendre ça. Allez. Ah bah oui, mais dépêche-toi un peu quand même. Ok, girl. Pas que ça à foutre. Rentre. Attends, par contre, on rentre où? Je me tiens à Rue Valentine tranquille et le shérif me demande de dégager pour aucune raison. Et je passe rechercher. C'est bizarre. Ah oui, ça c'est la quête de Marston. Ouais, on va rentrer. Ah mais on allait super loin en fait. Non, bah moi hier, c'était quand? C'était vendredi soir, on avait vu qu'il y avait des gens qui étaient pas vraiment sympas et qui attaquaient à vue. Vers Blackwater, t'es recherché mort ou vif, mais bon, c'est écrit sur la carte. Sinon, ouais, non, Valentine, normalement, ça devrait être bon. En plus, c'est la première ville. Ouais, il y a le coup aussi du bandana, les gens ont peur. Ont peur de toi si tu laisses le bandana. Attends, le mec peut-être qu'il a besoin d'aide. Want some help? Hey, why not? God damn it. Il est mort le mec. Ah, il est mort. On va voir si je le fouille, normalement il va croire que je le vole, non? Yeah, I guess I'll settle down one of these days. Ou pas. Lester? Hi. Uh-huh. Ouais, ne fait rien. Ouais, très bien. Il n'a pas aimé, mais ça va. C'était peut-être sale. C'est possible. Faut aller dans un hôtel. Tu peux choisir bain ou alors une chambre. Par les rails comme ça. Si jamais il y a un train. Non, on va descendre la route. On va passer par là. On va suivre le chemin parce que en fait je suis en train de me compliquer la vie. Valentine, ouais, y a un... tu peux prendre un bain. Après, pour tes primes, tu peux aller à une poste. Je crois que c'est ça. C'est une enveloppe sur la map. Tu peux aller payer tes primes. Genre, y en a certaines en fait qui sont en dehors des villes, donc ça t'évite d'aller dans la ville. Si t'es recherché dans la ville en particulier. Et tu peux payer à distance comme ça. Je
permet d'entrer un territoire, trouver les examiner un des... Slow up now. Ah, animal légendaire. Ah, par contre, on n'a pas l'arme. Merde. Arrête de cibler ton cheval. Dis non. Wait here, girl. Voilà, reste là. Ça c'est pas mal, j'ai mon adam, tu vois, dans la flèche sur mon first bison, du coup, peau parfaite. Moi, c'était un coup de fusil dans la tête, plus ou moins la même chose. Pas vraiment ce que je chasse en fait. Mouflon légendaire. Voilà. Des montagnes. Comment je sais si c'est légendaire ou pas? Tu dois être dans cette zone là. Teste l'arc sur un ours. Ah voilà, on est bon. Must be a way off. Bois pitié mal. M'attaque pas! Yes. Shit. Shit.
Must be close. Ouais, petit mal des montagnes rocheuses exceptionnelles. C'est lui ? On aurait dû prendre peut-être l'arc ou alors... Ouais, on aurait dû prendre autre chose. On va appeler le cheval. Pas de bruit. On va tester à l'arc. Avec des flèches de feu. Non, je déconne. Non, 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 mais arrête-toi. C'est lui. Faut que je m'avance. Étudier. Yes. Ouais, est-ce que tu... Descends pas, descends pas. Waouh, pas mal ça. Putain de merde. Waouh, la précision de fou. Carnage. Non, là. Allez. Allez. C'est bien passé, hein. Mis à part les ratés, quoi. Faut aller au trappeur. Yep. Pour la peau. Sur le cheval. Tu peux charger. Ok, faut un peu d'énergie. Notre noyau est vide. Qu'est-ce que donne plus d'énergie ça? Voilà. J'ai trouvé un pont suspendu de toute beauté. Ça va, j'ai loupé une seule flèche. Non, peut-être plus. C'est pas grave, allez. Doucement, doucement, doucement.
Bien, très bien. Yeah, there's a girl. On évite les arbres. Easy. Okay, on est bon. Pousse-toi. Merci. Pas le temps. Qu'est-ce qu'il est loin, le camp. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui vient de se passer? Par quel chemin on est en train de passer? Tu peux aller aussi dans une rivière pour te laver, j'avais oublié le détail. Juste aller dedans. Ah mon dieu, attends, c'est quoi le chemin parce que là... Ok d'accord, c'est juste là. C'est pas exactement le camp en fait, c'est le la mission de Javier. Je pensais qu'il était au camp, on est pas au camp. Ok, c'est pas grave. On va en profiter pour faire ça du coup. Good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen. Trying to protect his riding clothes. C'est pas la mission de Radia. I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Okay. C'est parti. Come on. I know an overlook where we can watch for them coming in. Pourquoi ça s'est tombé? Whoa! What are you trying to prove? J'en ai besoin, mec. On n'est pas prêt pour aller faire un braquage. What are you doing anyway, Ken?
dans quelle aventure je me suis entraîné. Been out here like some crazy hermit. Can't exactly stay in town now, can I? And like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an old Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, old Driscolls are everywhere now. The bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here, anyway? Oh, you know how it is? A few loose ends. Drink here, drink there. What loose ends? Je peux pas le suivre. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi j'arrive pas à le suivre lui automatiquement? It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry, making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser. I've seen you come full undone more than once now. And you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Hey. On peut faire genre le sable. What? Pas le suivre. Pas le suivre du tout. Ah, ça y est. En fait, faut faire avant et deux fois trois apparemment. All right, this is the spot. Ok, c'est bon. Hold up on this ridge. He should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. En gros, tu testeras le foulard de... Ok, ça marche. Look, there they are. Right on time. Get covered up. Come on! Ride! Yeah! Est-ce qu'il l'a mis, ouais? This is a robbery! Stop that coach right now! What in the hell? Guns up! We got company! Yeah. Allez! Yeah. Rattrape-les, putain de merde! Your face covered now. It's just you and me, sweetheart. J'arrive. 45 dollars. Attends.
sont riches. J'arrive. Come on, Morgan. How long does it take? Next time I'll leave you in the dust. D'accord? I'm hoping there won't be a next time. You don't mean... Yeah! Baylock! Come on, boy! Putain, mon cheval est sûr. Here. Fine new rifle, too. You go, Arthur. From me to you. That's more your style than mine. Quelque chose me dit qu'on va devoir l'utiliser. C'était 45 cents. Merde. You don't want to just break it open here and be done with it? Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailing. All right, then. Not to mention, we ride back in with a big take and a new wagon to boot. Dutch can't say we ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen, we got off on the wrong foot. But I got no beef with you. Good. I reckon we're a lot alive. Yes, oui, c'était 45 dollars. Qu'est-ce que vous racontez? Dutch knows I'm a feller that gets things done. Same as you. Gets things done. You'd be wearing shit. Now we're being robbed. Get across the river. Oh wow. Maintenant on se fait attaquer. Chaleur. What the hell? Lève-toi. Come on, Arthur, get out of there. You dumb bastards. Damn. You okay? I think so. Keep your head down. Let's finish. I can see that. Okay, folks. Will you go down? There's more of us. Ouais, sympa la carabine. Dead bodies. Since when did you have a problem killing O'Driscolls? You've got a point. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. You know, we should really pick up a lock breaker one of these days. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Ah, c'est bien passé. J'arrive.